Bernie Ecclestone était prêt à payer pour qu'Hamilton signe chez Mercedes. À payer carrément, quoi. S'exprimant dans le cadre de la série documentaire Lucky de Discovery Plus, Ecclestone a révélé comment il s'est impliqué pour que le transfert se fasse, même si son aide n'était finalement pas nécessaire. Nicky a réalisé à quel point Lewis est un pilote de valeur et a prouvé. Il a trouvé un moyen de le persuader qu'il devait piloter chez Mercedes. Si Hamilton n'était pas payé ce qu'il voulait, il n'allait pas accepter de courir pour eux. J'ai dit, c'est quelqu'un dont Mercedes a besoin. Alors je vais payer la différence, mais finalement, Mercedes a payé. Sa décision s'est naturellement traduite par des résultats époustouflants, puisqu'Hamilton a remporté 82 victoires à ce jour, avec Mercedes en plus de 6 titres de champion et a aidé l'équipe à remporter 8 titres consécutifs du championnat à constructeur. Ah bah clairement, ouais, c'est le meilleur move de la carrière d'un pilote, hein, d'avoir signé chez Mercedes. Hamilton, là, il a eu le nez fin, on va dire. Et imaginez s'il n'avait jamais signé chez eux, au final, il n'aurait pas du tout le même palmarès. Et c'est peut-être Rosberg, du coup, qui aura eu plusieurs titres, ou alors l'équipé de Rosberg. Je ne sais pas qui ça aurait pu être d'ailleurs, mais bon voilà, on va pas refaire l'histoire. De toute façon, il a pris la bonne décision, Hamilton. Et c'est tant mieux. Voilà, je vous laisse commenter.